En manchette, aujourd'hui, avis de grève à la traverse Saint-Ignace-Sorel-Tracy. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bélimeur au pupitre. En manchette de ce 30 juin, la traverse de Saint-Ignace-Sorel-Tracy, fermée le 2-3 juillet, on en parle. En effet, un avis de grève a été émis concernant la traverse de Saint-Ignace-Sorel-Tracy, donc du 2 au 3 juillet. Le vendredi 2 juillet, les dernières traversées seront à 15 heures au départ de chaque rive. Les autres traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment. Le service régulier reprendra au départ de chaque rive le samedi 3 juillet à 16h30. Donc, soyez avisés, une partie là, pendant un bon moment, le service de la traverse Sorel-Saint-Ignace sera perturbé par cet avis de grève. Quelques mots maintenant au sujet de notre députée provinciale, Caroline Proulx. Plus tôt aujourd'hui, nous avons rencontré Mme Caroline Proulx pour un retour sur la dernière session parlementaire. On écoute notre députée et ministre. Passons un peu avec la première partie en tant que députée, donc avant la pandémie. Je pense qu'il y a eu un petit moment justement où que vous avez pu vous adapter, si je peux dire ça comme ça, au travail de députée. s'adapter au travail de députée simultanément avec une responsabilité ministérielle. En plus. vraiment un très, très beau portefeuille que celui du tourisme. Ça génère beaucoup, beaucoup d'entrées d'argent pour le gouvernement du Québec. On est au-delà de 16 milliards de dollars. Ça fait vivre toutes les régions du Québec, en commençant par la nôtre, celle de la Naudière. Donc oui, les premiers mois où on doit comprendre le rôle, mais être très, très humble devant cette formidable responsabilité qui m'a été consentie par le premier ministre. Et une équipe au bureau de comté qui est là depuis jour 1, je salue au passage Carole Noël, qui est ma directrice de bureau de comté ici à Berthier, du côté de la Valtrie. Une équipe formidable qui est en place avec moi. Je suis très, très chanceuse de les avoir. Puis c'est ça, est-ce que vous avez eu le temps de faire des activités de comté malgré tout en présence ou juste avant que ça ferme, si je peux dire ça comme ça? Bien, en fait, avant la pandémie, bien, surtout moi, je demeure à Saint-Jean-de-Matin, donc je vis dans mon comté, ce qui me permettait de faire plein d'activités qui, depuis la pandémie, je dois vous avouer, me manquent profondément. Hier, j'ai eu ma première activité de comté avec la mairesse de Saint-Félix de Valois. On dirait que j'ai décidé de revoir plein de gens sur le terrain. Ça faisait vraiment beaucoup de bien après 16 ans. Exact. Puis, quels ont été les défis, justement, en temps de pandémie? J'imagine qu'il y a des organismes qui ont dû appeler au bureau pour peut-être avoir de l'aide. Oui, heureusement, le gouvernement du Québec a rapidement compris que les organismes communautaires, les gens qui perdaient leur emploi, étaient évidemment insécures face à une situation qui évoluait extrêmement vite. Rappelez-vous, il y a 14 mois, et la ministre, Mme Charest, a réussi à aller chercher des sommes additionnelles justement pour soutenir l'action bénévole dans toutes les circonscriptions du Québec, y compris celle de Berthier. On a eu l'occasion tout juste avant Noël 2020, de pouvoir aller voir rencontrer ces gens-là sur le terrain. Et heureux de voir que le gouvernement du Québec a augmenté les sommes de ce qu'on appelle notre soutien à l'action bénévole, pouvoir aider donc les citoyens de la Naudière et du comté de Berthier à traverser cette crise-là. Exact. Il y a aussi eu plusieurs réalisations, les investissements au niveau régional tout au long de la session parlementaire. Pouvez-vous m'en parler un peu, un petit résumé? Bien, en fait, beaucoup d'investissements dans nos infrastructures routières. M. Bonnardel et moi-même, on a annoncé donc une réfection majeure et sécurisation de la 158 près de Joliette. Mais en fait, pour les deux prochaines années, donc 2021-2023, on parle de 161 millions de dollars qui vont être investis dans la réalisation de projets routiers dans la grande région de la Naudière, en plus d'un 20 millions de dollars additionnels qui vient de mon ministère, celui du tourisme, où
finalement, on va pouvoir réunir deux grandes belles régions touristiques, mm-hmm. celle de la Naudière du côté de Saint-Michel-des-Saints, à travers la route 3 qui va aller enfin rejoindre Saint-Donat. C'est un 20 millions de dollars, donc les travaux devraient commencer très prochainement. Un projet donc qui va asphalter la chaussée entre les deux municipalités, aménagement de bandes cyclables pour pouvoir traverser ce 40 quelques kilomètres, 43 kilomètres de mémoire, aménagement évidemment de haltes touristiques le long de la route 3 et évidemment on va avoir des travaux nécessaires, corriger certaines courbes sur cette route-là pour la rendre sécuritaire, en rappelant que cette route-là sera une route à touristique, donc une circulation à 50 km/h. Donc de beaux projets d'infrastructures routières dans le côté de Berthier et dans la Naudière de façon plus générale. Exact. Il y a eu aussi le pont à Berthierville aussi, qu'il y a eu une annonce la semaine passée ou l'autre d'avant, mais ça fait vraiment pas longtemps non plus. Exactement, le pont Bayonne qui était en analyse depuis longtemps. La détresse, je vais dire comme ça, des citoyens de Berthierville, où on avait des camions lourds qui littéralement devaient passer dans la municipalité compte tenu de la fermeture du pont. Donc oui, très heureuse avec la mairesse Nantel, il y a une dizaine de jours, de faire cette annonce-là. La réflexion pardon, complète du pont. Des travaux évalués entre 1 et 5 millions de dollars. Très heureuse de pouvoir avoir fait cette annonce-là avec Mme la mairesse. Sur ce, allons à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de l'été. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. En ce 30 juin, un anniversaire à souligner, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Martine Aubuchon. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 30 juin, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Donc, à la veille du 1er juillet, fête du Canada, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé? Donc, si on fait un petit résumé, qu'est-ce qui est ouvert? On parle des supermarchés, des petits commerces, dépanneurs, boucheries, etc. Des restaurants, des stations-service, les librairies, les musées, les pharmacies et la plupart des SAQ, dont celle de Berthier. Qu'est-ce qui est fermé? On parle des commerces et des grands centres commerciaux, les banques, les caisses, fermées dans ce cas-là le 1er et le 2 juillet, les points de service fédéraux et provinciaux, fermés les 1er et 2 juillet,
On parle de bibliothèques fermées le 1er juillet. Certaines le sont aussi le 2 juillet. Aussi, les bureaux de poste de Poste Canada sont fermés le 1er juillet, mais sont ouverts le 2 ouvert. De notre côté, CTRB sera en onde comme à l'habitude, donc on sera à nos postes. Yves Perron, maintenant le député fédéral, comme mentionné hier, voici la suite de l'entrevue que nous a accordée Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Monsieur Perron revient sur les moments marquants de la dernière session parlementaire. On écoute cette entrevue qui a été faite pendant la pandémie. Et là, je pense aussi à la suspension de vols provenant des pays. Ça, je me souviens que ça a été En fait, on a été. Des fois, on a été un peu critiqué dans les médias pour ça, parce qu'on disait oui, mais là, vous bloquez tout. Mais on a été un peu des chiens de garde de la sécurité nationale, mm-hmm. parce que il faut réagir en temps de pandémie. Je donne juste l'exemple du variant britannique. Hein? Ça a pris, je pense, 3 semaines avant que le fédéral arrête les vols venant de la Grande-Bretagne. Ouais. Et nous, on le réclamait à grands cris. Dans le fond, il a arrêté les vols, le variant était déjà rendu. Il est trop tard, champion. Tu sais, il faut, je ne veux pas avoir l'air trop péjoratif, mais tu sais, il faut être proactif là-dedans. Mm-hmm. Le chemin Roxham, où est-ce qu'on a les immigrants illégaux là, qui rentrent à pelleter, ça a pris énormément de temps avant de fermer ça. C'est pas acceptable, parce que là, en même temps, nous, localement, on s'imposait des restrictions énormes mm-hmm. au niveau des sorties, des couvre-feux, et c'est tout. Aujourd'hui seulement, là, tout le Québec retombe en zone verte. Là. C'est pas fini, la pandémie. Là. Faut demeurer vigilant. Mais pendant la pandémie, nous, on a exigé ça, les sécurités, les quarantaines. Mm-hmm. On a réussi à faire retirer le fait que les gens qui étaient allés dans le sud pendant les fêtes se fassent payer leur quarantaine à la maison. Faut être sérieux à un moment donné. Là. Vous avez choisi d'aller dans le sud, assumer vos pertes financières. Puis c'est pas par méchanceté, c'est par équité pour l'ensemble des contribuables. C'est des choses de logique comme ça. On a proposé des mesures aussi. La subvention salariale, c'est notre idée au départ. Okay. Il y avait la PCU, on était d'accord avec la PCU au départ. On a dit oui, c'est beau, il faut la voter. Mais rapidement, on a dit maintenant, il faut la rendre incitative au travail. Ça, c'était très difficile à établir et à obtenir. C'est allé au mois d'octobre. Ça a fait beaucoup de dommages à nos entreprises. On a eu beaucoup d'appels, bureau de circonscription, des gens désespérés qui rappelaient leurs travailleurs. Les travailleurs ne voulaient pas revenir. C'est ça. Ils étaient chez eux, protégés de la COVID, ils faisaient plus d'argent que s'ils travaillaient. Exact. Ou le même montant. Ouais. Puis c'est correct qu'il fallait aider les gens au début, mais à un moment donné, ça prend des mesures intelligentes. Quand on a voté la prestation pour les étudiants, on a fait le calcul, un étudiant, il fallait qu'il travaille 18 heures. Après 18 heures, à salaire minimum, il perdait son 1250. OK. Fait que s'il travaillait une 19e heure, il fallait qu'il travaille après ça 43 heures pour rattraper le même montant. Oh. Ça n'a pas de bon sens. Effectivement. Loi de gestion de l'offre. Oui, ça a été un beau défi au niveau personnel et professionnel. Protéger les productions sous gestion de l'offre. On sait que dans les derniers accords internationaux, le gouvernement canadien dit toujours aux gens, « Ben non, inquiétez-vous pas, on va protéger vos marchés. » S'en vont derrière des portes closes, puis reviennent au Parlement avec une entente qui est déjà faite, qu'on ne peut pas modifier, là. Puis qui dit, ben finalement, il a fallu qu'on donne un petit bout. Mais regardez, on est bon, on a réussi à préserver l'essentiel. Mm-hmm. C'est parce que ça fait 3-4 fois qu'ils font ça. Puis à un moment donné, les parts de marché, ça ne fonctionne plus. La gestion de l'offre, c'est un principe simple. C'est qu'on contrôle la quantité qui est produite. Puis on contrôle les prix, puis la quantité. Puis si on n'est pas capable de contrôler la quantité parce qu'il y a de la quantité qui rentre de l'extérieur, le système ne fonctionne plus. C'est ça la logique. Ça permet des entreprises familiales, parce qu'on contrôle les prix, donc on contrôle un revenu décent. Et ça permet des entreprises familiales qui occupent les campagnes. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ce sont des petites entreprises familiales, et on veut préserver ça. Elles sont vraiment mises à mal. Là. Dans le lait, là, à terme, c'est 18 % du marché qui est occupé par l'extérieur. C'est beaucoup. Il faut que ça arrête. Fait que notre projet de loi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient changer la loi du commerce international et changer le mandat de négociation du ministre du commerce. Donc, le ministre qui va négocier une entente avec un autre pays n'aurait pas le droit de mettre la gestion de l'offre sur la table. Okay. C'est écrit dans la loi. Okay. C'est l'équivalent, dans le fond, avant qu'un ministre aille faire un mandat de négociation, il va recevoir un mandat du premier ministre. Puis là, il va lui dire, bien, je veux pas que tu donnes ça, je veux que tu protèges ça, là, tu peux donner ça, il faut que tu ailles obtenir tel accès dans l'autre pays. Il y a une liste, comme une liste d'épicerie à réaliser. Fait que dans le fond, nous, on préécrit une partie de cette liste-là, puis on dit la gestion de l'offre,
c'est notre modèle économique, tu touches pas à ça. OK. Je ne sais pas si vous vouliez parler aussi de l'autre projet de loi, C-208, qui est un projet de loi qui a été parrainé par un député du Manitoba, mais que j'ai co-parrainé, donc j'ai présenté avec lui. C'est pour la relève des petites entreprises familiales. Un agriculteur qui vend sa ferme à ses enfants, il doit renoncer quasiment à la moitié du fruit de la vente. Okay. Et s'il vend à un étranger, là, il est exigible à l'exemption du gain de capital. Okay. Et là, il peut avoir plus de revenus. Donc, ce que ça fait comme effet pervers, c'est que les gens, à place de vendre l'entreprise à leur enfant, vont le vendre au voisin qui a déjà acheté deux autres voisins. Puis, qu'est-ce que ça finit par faire? C'est des rangs avec deux fermes à place d'avec des rangs avec 20 fermes. Et ça tue notre économie locale, tu sais. Puis les écoles de village, les enfants, ils ne viennent pas de la planète Mars, là. Ils viennent des gens qui occupent les campagnes. Ça vient encore avec le système de gestion de l'offre. C'est vraiment complémentaire. Et ça, bien, c'est une grave injustice. Les gens de la Fédération de la relève agricole ont travaillé très fort en lobbying, là, en coulisses, okay, pour que ça passe. Je leur lève mon chapeau, je profite de l'occasion. Puis là, bien, ça a passé au Sénat, là, la semaine dernière. Fait que ça, c'est voté. Ça devrait. Il ne manque que la signature du gouverneur général, là. OK. Que, dit, les quarantaines, c'est de juridiction fédérale. Le gouvernement fédéral aurait dû prendre ça en charge. Il y avait plein de beaux hôtels libres autour des aéroports. Mm-hmm. Hein, on les met là, puis après ça, les producteurs pourraient venir chercher leurs travailleurs au moment où ils ont fini leur quarantaine, où ils ne représentent plus de risques, puis tout aurait été facile. Mais non, le fédéral a décidé de pelleter cette responsabilité-là chez les producteurs agricoles, qui sont capables, ils ont bien, super bien géré ça. On n'a pratiquement pas eu d'éclosion au Québec, mais c'est une charge supplémentaire. Et en compensation de cette charge supplémentaire-là, on leur a donné une compensation de 1 500 $ par travailleur étranger. Il faut comprendre que c'est les coûts de logement, c'est les coûts de transport, c'est les tests, puis c'est aussi les salaires, parce qu'ils doivent les payer pendant ces deux semaines-là. Oh, mon Dieu. On ne fait pas venir des gens travailler ici et on ne les paye pas. Là. Ça. Donc, le 1 500 $, c'était très raisonnable comme compensation. C'était même pas tout à fait suffisant, si vous voulez m'en dire. Et là, on l'a réduit. Là. Le 16 juin, c'est réduit à 750 $. Ça, c'est pas acceptable. J'ai questionné en chambre, on n'a pas eu de réponse convenable là-dessus. On continue. Je suis en train présentement de rédiger une lettre à la ministre là-dessus. Je veux en reparler. Je lâche pas ça. Mais là où vous vouliez me parler, c'était les quarantaines puis les tests. Oui, c'est ça. Au moment où les travailleurs arrivaient sur le territoire, ils avaient un test à l'aéroport. Ils avaient fait un test d'abord négatif dans le pays d'origine. Exact. À l'aéroport, il y avait la compagnie Biron qui faisait le test à l'aéroport. C'était très efficace. Ils avaient le résultat dans 48 heures. C'était excellent. Après ça, ils s'en allaient chez eux. Puis au 8e jour, qui était à maintenant, mais au début, c'était au 10e jour, là, il fallait qu'ils auto-administrent un test. Je ne sais pas. Qui parmi les auditeurs a déjà subi un test de COVID avec les covillons? Là? Moi, c'est clair que je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de me rentrer ça creux de même. Là. Mais bon, il devait appeler la compagnie Switch Health, une compagnie ontarienne où il n'y avait à peu près pas de service en français. Ça, déjà, c'est révoltant parce que le producteur avait le choix d'appeler la ligne en anglais puis d'attendre 6 heures ou la ligne en français puis d'attendre 14 heures. Souvent, on choisissait de baragouiller l'anglais. Et on devait être supervisé par une infirmière en ligne. Après ça, on envoyait les tests. Ils perdaient les tests. Les délais de pyrolateur. C'était le chaos total, si bien que plusieurs compagnies, plusieurs fermes ont dû faire des quarantaines à leurs employés de 20 puis 30 jours plutôt que des 14. Imaginez-vous qu'est-ce que ça coûte. Ton employé, il faut que tu le payes. Puis ta récolte, elle reste dans le champ. Ouais, parce qu'il ne peut pas travailler. Ah, ça n'a pas de sens. Ça, on a vraiment... on est vraiment allé au front là-dessus de façon quotidienne. Et on a eu gain de cause, on était contents. Et maintenant, avec la compagnie Dynaker, ça va beaucoup mieux. Ah, mais... oui. Allons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve
et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Entouré des siens le 26 juin dernier à l'aube de ses 74 ans est décédé Alain Rousseau, époux de Francine Morel, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Stéphane Rousseau, Julie Rousseau, Julien Delaria, ses petits-enfants, Ariane, Louis-Charles et Vincent, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Odile Rousseau, Alain Sylvestre, Régent Rousseau, Claudette Grenier, Normand Rousseau, Hélène Tricourt, Pierrette Rousseau, Carmen Rousseau, Robert Savoie, Sylvie Langlois, Feu Fernand Rousseau, Suzanne Morel, Feu Régent Majot, Carmen Morel, Maurice Morel, Lise Arnois, Ginette Morel, François Lacourcière, René Morel, Feu Robert Biron, Gérard Morel, Jacinthe Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis vendredi 9 juillet en l'église de Saint-Cuthbert de 13h. Suivront les funérailles à 15h30. M. Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHSLD L'Assomption, le 18 juin dernier, est décédé Jacqueline Gagnon, épouse de feu Victor-Olivier Tarte, native de Saint-Gabriel-de-Brendon, demeurant à l'Assomption. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, Marie Tarte, Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte, ainsi que plusieurs neveux-nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 9 juillet, au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville dès 9h30. Suivra à 11h30 les funérailles en l'église. Suivront à 11h les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Gagnon sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 20 mai, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Yvon Lamotte, époux de feu Carole Primo, demeurant le gardeur mais natif de Berthierville. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons pour la fibrose kystique. La famille accueillera parents et amis le samedi 3 juillet au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville dès 10h. Suivra un hommage à 11h en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Lamotte seront déposées au columbarium du complexe. Au CHSLD Émile McDuff de Repentigny, le 25 mai dernier, à l'âge de 86 ans, est décédée Georgette Rochette, épouse de feu Yvon Dérap, demeurant à Berthierville. La famille accueillera parents et amis dimanche 4 juillet au complexe funéraire Thériault de Berthierville dès 12h30. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. Madame Rochette sera inhumé au cimetière de Berthier
le même jour. Au nom de CTRB et de ses employés, nous tenons à souhaiter nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, pour la météo d'aujourd'hui. Alors, pour cet après-midi, on parle de possibilité d'orage avec une température de 27 degrés avec un ressenti de 36. C'est encore chaud, mais un petit peu moins qu'hier. Ce soir, encore, possibilité d'orage, température de 22 degrés avec un ressenti de 26. Les possibilités de précipitations sont un peu plus élevées cet après-midi que cette soirée. Pour cet après-midi, on parle entre 2 à 4 mm de pluie et moins d'1 mm pour ce soir. Pour cette nuit, ciel variable, température de 16 degrés avec un ressenti de 16. Et pour demain matin, ça va être un ciel variable, température de 18 degrés avec un ressenti de 18. Pour demain après-midi, température de 24 degrés avec un ressenti de 28 avec des possibilités d'orage encore. La qualité de l'air est bonne, les rayons UV sont bas et le pollen est modéré. Les maringouins sont présents en quantité élevée, les mouches noires en quantité faible et les mouches à chevreuil en quantité faible également. Donc, merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. On remercie Xavier pour la météo. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous souhaite une bonne fête du Canada pour le 1er juillet. Et on espère que soit vous reposerez, vous fêterez ou peu importe. Et on se retrouve, on aura un bulletin d'information demain quand même. Donc, vous êtes invités à demeurer à notre antenne et à suivre nos bulletins d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Merci et à bientôt. Télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.